Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'ayez pas peur, ma scrap room en boxon. Voilà, donc je vous montre, c'est le bordel complet. Voilà, il y en a partout. J'avais pourtant rangé il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc la table, n'en parlons pas. Alors, oups. Alors, je vais faire cette vidéo pour parce que j'ai décidé de changer des choses. Là, le bureau, je vais changer de place. La table, j'ai envie de la changer de place. J'ai envie de tout bouger parce que bon, le radiateur est derrière le bureau et ce qui fait que ça empêche la chaleur de venir dans la pièce et il fait un froid de canard dans ma pièce. Donc ben on va tout ranger d'abord et tout bouger ensuite. Voilà, allez, ben on va attaquer. Je vais bien sûr vous passer tout en rapide hein, parce que sinon vous allez regarder la vidéo pendant 24 heures et on se retrouve tout de suite.
regardez pas ma tête. Du coup, j'ai une tête à faire peur. j'ai pu bouger aucun meuble. Voilà, je voulais bouger les meubles, mais c'est impossible pour l'instant, en tout cas. Parce que du coup, mon mari est monté et il me dit pour bouger tes meubles, il faut tout sortir et puis après tout remettre là où je veux mettre les meubles. Donc pour tout sortir, là c'est pas possible pour l'instant. Et puis il faudrait que je prenne des cartons, mettre tout dedans, tout sortir. Et puis ensuite remettre bien tout en place. Donc là, c'est pas possible. Donc j'ai quand même rangé en gros. Donc j'y vois plus clair déjà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Hein, parce qu'il suffit que je fais une créa pour que zou, ce soit de nouveau le boxon. Alors vous avez vu avant. J'espère que vous n'avez pas eu peur. Je vais vous remontrer maintenant. Voilà. Pour vous montrer un peu la différence quand même. Allez, on se retrouve. Donc voilà. Alors vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Là, tout est rangé. Bon, du coup, mon cartonnage est toujours là. Là, c'est mes kits de diamond painting et de peinture numéro. Il n'y a plus rien sur le lit. Il reste ça. Alors, je vous le montre. Vous connaissez peut-être. Voilà, donc c'est des boîtes qui viennent d'Action pour ranger. Vous voyez, avec la petite étiquette. Donc noir et doré. Elles avaient été en promo la semaine dernière. Et il n'y avait que ces quatre-là. Et les quatre dans la même couleur, j'ai eu du bol. Elles étaient à 1,60€, je crois. Donc malgré que j'ai pas de sous en ce moment, je me suis dit, bon, tant pis, je vais les prendre parce que je les voulais pour pouvoir bien ranger. Donc elles vont me servir là quand je vais retrier, elles vont me servir pour ranger les papiers, les rubans, alors je fais avec une main, c'est facile pour ouvrir. Alors attendez, voilà, vous voyez, donc elles sont quand même bien grandes, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Et j'adorais la couleur noire et dorée comme ça. Et c'était vraiment les quatre dernières. Ça m'a même fait rigoler parce que j'étais avec mon mari. Et quand je les ai vues, j'ai dit, oh, je vais les prendre. J'ai dit, oh, puis il en reste quatre. Tant pis, je prends les quatre. Il y avait une petite dame à côté de moi, une petite dame âgée. Elle m'a regardée toute bizarre parce que j'ai dit, tant pis, je prends ce qui reste. Alors, je ne sais pas si elle en voulait, mais après, je crois que non, elle n'en voulait pas. Mais elle m'a regardée bizarre quand elle a vu que je prenais le reste des boîtes. Voilà, ma table à repasser et débarrasser. Bon, il y a toujours mon repassage, hein, mais ça, je m'en fous. Donc, ma table avec ma machine à coudre. Enfin, mon bureau, voilà. Et ma table de travail que j'ai réussi à débarrasser. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai toujours mes étagères, là. Donc, c'est là qu'il faut que je trie. Trier, je vais ranger justement dans les boîtes. Et donc, ma table derrière, ici aussi. Vous voyez. Là, j'avais commencé déjà à trier et à mettre des petites étiquettes pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est plus facile. Donc voilà, et puis en dessous, j'ai toujours mon bazar aussi, mais c'est dans des caisses, donc ça va. J'en ai en dessous aussi des caisses. Mais bon, voilà, au moins c'est rangé déjà. J'ai pas réussi à bouger les meubles aujourd'hui. Mais bon, c'est déjà ça. Le principal, c'est que moi, j'ai une pièce. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas la chance de pouvoir en avoir une. Et c'est vrai que quand on a une pièce, bon, c'est l'idéal. Je vous souhaite à toutes d'un jour d'en avoir une. Vous pourrez y faire le boxon que vous voulez, au moins, dedans. Donc, voilà. Donc, le jour que j'aurai vraiment bien rebougé les meubles, tout bien reclassé, rerangé,
comme il faut. Je vous ferai vraiment un tour de scrap room détaillé. Et là, aujourd'hui, ça ne sert à rien, puisque je vous dis, c'est vraiment, tout est mélangé, tout est... C'est rangé, mais c'est rangé en bordel. Voilà. Donc, voilà. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve donc très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de blabla, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Gros bisous à toutes.